dans cette nouvelle vidéo. Alors, ce sera une nouvelle vidéo de Morphine au purée. On commence tout de suite. Donc, on a le sucre, la farine, l'avoine, comme pour le goyot. On a du bicarbonate de soude, du sel, des œufs, du lait, des bleuets, du beurre. On aura besoin d'un moule qui est beurré et de deux bols. Oui. Et d'un fouet. Donc, on va commencer. Pour commencer la recette, je vais aller mettre ça au micro-ondes. Et pendant ce temps-là, on va passer à la prochaine étape. On met au micro-ondes pendant 40 secondes. Donc, maintenant, on va mélanger tous nos ingrédients secs. Donc, on ajoute l'avoine. On va déjà mélanger. On ajoute le sucre. On mélange. Maintenant, on va ajouter le bicarbonate dessous. Avec une pincée de sel. Parce que vous savez qu'un gâteau, enfin, des muffins, c'est toujours besoin d'un petit côté sucré-salé. Donc, on ajoute un peu de sel. Donc, maintenant, le beurre est fondu. Je vais revenir avec le beurre fondu. Donc, voilà, le beurre est fondu. Alors, on va casser les œufs. Non, on va utiliser le fouet. Donc maintenant, on ajoute progressivement le lait. Donc voilà, une fois qu'on a une préparation qui est homogène comme là, comme ici, on va venir rajouter nos ingrédients secs dans notre pâte avec les ingrédients liquides. Donc. On va venir mélanger notre préparation. Voilà, j'ai oublié de préchauffer mon four, alors je vais préchauffer tout de suite à 350 degrés. Donc maintenant, il faut que votre pâte, une fois qu'elle a été mélangée, il faut qu'elle soit un peu... Voilà, elle est pâteuse, donc il ne faut pas qu'elle soit liquide. C'est très important d'avoir cette consistance. Donc ensuite... on va mettre la pâte dans les moules. Donc on remplit pas les moules jusqu'en haut parce que ça va gonfler pendant la cuisson.
Alors on remplit à peu près de moitié. Ok, donc maintenant on va passer à la dernière étape avant la cuisson. Donc on va rajouter 1 à 2 bleuets dans chaque moule en fait. Donc voilà, on peut les enfoncer. Donc je vais rajouter, j'ai rajouté finalement plus de 2 bleuets par muffin parce que je me suis dit que bon, 2 c'était pas assez. Alors maintenant pour l'enfoncer on peut utiliser un petit piquet comme ça, on prend le côté qui est un peu plus gros. Donc on enfonce comme ceci. Donc une fois que vous les avez enfoncés, vous pouvez les recouvrir comme ceci pour que quand ça gonfle, ça soit à peu près au milieu. Maintenant, je vais mettre ça au four pendant 25 à 30 minutes et puis on va se voir à la dégustation. Donc voilà, nos muffins sont magnifiques. Je suis très fier de me regarder ça. Regardez. Waouh. Regardez ça, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment aéré. Bon, là, vous ne le voyez pas, mais quand on le touche, on voit que c'est une belle texture. On voit les bleuets. On voit vraiment les bleuets qui sont magnifiques. Donc, je vais vous montrer en ouvrant. Donc, 3, 2, 1. Et waouh. C'est simplement magnifique. C'est tout simplement magnifique. Donc ça fume encore. Je vais déguster. Comme vous me connaissez, je vais prendre la plus grosse partie, bien sûr. Ouais, c'est très chaud. Hein. Magnifique. Donc on a vraiment les bleuets qui sont chauds, ce qui donne un goût encore plus prononcé au muffin. Magnifique. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à tous vos amis, de commenter, de mettre un commentaire, de vous abonner à la chaîne. Donc sur la notification, sur la cloche de notification, on se dit à la prochaine.